devais essayer quelque chose, mais c'est très difficile. Et en fait, c'est très difficile pour vous. Hein. Quand on chante avec... Quand on chante, on est au garde-à-vous avec les... On est au garde-à-vous. Alors moi, j'aime beaucoup les petites chansons comme ça qui sont un petit peu rigolotes. Ça paraît pas. Hein. Yes, yeah, oui, allez-y. Et donc, Alain Leprest a écrit une petite chanson qui s'appelle « C'est pour chat ». Donc c'est comme si on fourchait la langue un peu. Et Gérard Pierron a mis en musique ce petit texte-là. Alors c'est difficile parce que c'est juste... Vous allez voir, c'est pas grand-chose. Oh, soit j'y arrive, et si j'y arrive, tant mieux. Ou j'ai renvoyé. Non, c'est difficile avec des... Il y a quelques affaires qui sont pas faciles. Excusez si je chante faux, c'est pas ma faute, c'est le chat qui a posé du bout du museau un oiseau mort sur mon piano. Si je chante faux, c'est pour le chat, je crois c'est-il de rouge gorge. Peut-être il est tombé du nid, ma voix s'est cassée dans la loge. Comme le coucou d'une horloge, un peu beaucoup à la folie. Je voudrais pas me répéter, mais je crois j'ai la gorge rouge pour cet idiot qui a rapporté un petit piaf à ma portée. Me voilà soudain sur la touche, tout feu de voile et quelques plus. J'écris qu'une quinte de tout, puisqu'il est l'heure, faut que j'assume. Tant pis si ma chanson s'enrhume, touche c'est la faute au matou. J'ai du mal à trouver l'accord, mais par contre si vous pouviez vous rapprocher, chanterai plus fort. Je penserai plus au petit oiseau mort qui est endormi sur mon clavier. Je sens mon timbre qui s'éteint, j'entends s'envoler les bravos. J'ai dû avaler le gredin qui a déposé ce matin un oiseau mort sur mon piano. Qui a déposé ce matin un oiseau mort sur mon piano.